Ça ne chauffe pas. Non, moi, ça ne m'empêche que concentre-toi. Non, ça ne m'empêche même pas de me concentrer un peu. Boumkena Oloke, voici le moment pour toi qu'on te trouve une chambre dans une chambre quelque part. Mes chers frères et sœurs, il y a des choses que je ne voulais pas dire de Boumkena. Mais je suis obligée de verser. Je suis obligée de verser. Pourquoi? Parce que sa mère a encore fait les voix. Vous voyez comme je suis sortie l'autre jour là. Je n'ai aucun regret et je vais continuer, continuer, continuer. Chacun travaille son bloc. C'est la légende. Donc, moi, quand je m'assois sur toi, sa destruction, tu pars en dépression. Là où tu es là, tu vas entrer en dépression profonde. Parce qu'elle te dit que je suis passée par là. Tu veux qu'on t'accompagne? On va t'accompagner dans ça. Tu t'assois, les autorités camerounaises, les autorités camerounaises, toi, si les gens t'aiment trop, qu'on te prenne un billet d'avion. On te prenne un billet d'avion ces jours-ci. Dès que tu es au Cameroun, tu dis que je suis là. J'arrive. C'est ce que je peux te dire, Eric. Hein? Ces jours-ci là, que ce soit la semaine prochaine ou la semaine prochaine, tu prends le billet d'avion, c'est-à-dire que les gens qui t'encouragent. Parce que tu avais dit une fois que Dorcas allait partir en prison, c'est monté, c'est descendu. Tu parles, on t'encourage dans la bêtise. Nous, on a déjà fait notre vie. Nous sommes les vieilles chouettes. Nous sommes les vieilles chouettes. Tu ne nous peux pas. Je continue à te dire. Aujourd'hui, là, tu dois profiter de la télécommande que j'ai appuyée là. Pour que les gens t'aident même à te prendre une chambre en Allemagne. Tu sais, même le plus vampire de Facebook a ses fans. Qu'on ne se trompe pas. Tu as des gens qui t'aiment. Qui t'aiment parce que tu clashes. Mais je t'ai dit que ne fais plus ça. Le vrai clash n'est pas facile. Tu es encore en train de venir. Tu vas entrer dedans. Propre. Tu vas te laver. Tu vas mettre le rouge à lèvres. Tu vas changer les cheveux. Tu vas commencer à l'acheter des habits tous les jours pour porter. Tu arrives seulement. Ça n'a pas encore. Ça ne chauffe même pas. Mes chers frères et sœurs, la fille là, photocopie de sa mère. Je vais vous raconter l'histoire. À l'heure que je vous parle là, elle vit dans un foyer. Et vous ne connaissez pas la meilleure. Elle a accusé le père de son enfant. Regardez les filles qui ont beauza, qui ont pris la route. Tu traverses la route, tu entres dans l'eau pour venir te perdre sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu n'as pas mari? Pourquoi tu n'as pas ta fille avec toi? Hein? Je vais te faire venir parler ici. Parce que tu as accusé le père de ton enfant d'avoir fait, d'avoir toche. Je vais te traiter. Alors? Alors? Oui. Bonjour, ma. Ça va, ça va. Je suis en direct, hein, maman. Je suis en direct. Hein. Je suis en direct. Tu veux que je mette le haut-parleur? Oui, j'ai mis, c'est Dorcas qui appelle. Je t'écoute, ma Dorcas. C'est les gens qui l'encouragent là, non? Elle va ramasser ici sur Facebook. Donc, je te laisse parler. Non, ma, tu as dit que c'est moi qui l'ai amené, que j'ai amené sa mère sur Facebook. Je vais montrer les choses que tu vas voir. Quand tu finis de parler, non, va ressentir. Je vais montrer les choses. Tu seras très étonné. Il faut écouter. Pardon, ma fou. Épargne la maman. Pardon. Si ce n'est que pour elle. Non, je ne peux pas épargner la maman parce qu'elle continue à laisser les voix. Pardon, maman. La mère, la pardon seulement. Pardon. Mais pourquoi la mère là ne dit pas à son enfant que je parle, je veux que tu sois là. On a récupéré son enfant. Elle a accusé le père de l'enfant d'avoir fait les attouchements au Mouna. Tu as compris avec quoi? Ouais. Tu comprends avec quoi? Je te comprends. Une personne qui était dans une maison, elle accuse le père parce que le monsieur en avait marre. Moi, donc, elle te laisse parler. Quand tu vas finir, je vais m'exprimer. Même les choses privées que j'ai parlé avec cette fille, toujours en train de lui dire qu'elle ment. Tu ne peux pas, tu prépares à quelle heure? Elle m'a menti au moment qu'elle faisait la formation. J'ai les démarches à faire. Je te laisse parler. Merci. Marco,
ce que je te supplie ce soir, ce n'est pas par rapport à Nicole. Parce que nous tous nous savons que Nicole elle-même n'est pas facile. Si on veut voir rien que les dégâts qu'elle a commis sur Facebook, sur Lolo et moi, vraiment, on ne peut même pas mettre la bouche dedans. Tu as oublié de parler dans le noir, même avec ma collègue, dans le noir chez Dekoma Mugu. Peut-être tu as oublié la période, peut-être tu n'étais pas encore sur Facebook. Peut-être tu ne voyais pas. C'est ça que je dis que Mafo, si je t'appelle aujourd'hui, depuis que toi et moi, j'étais un jour appelé, mais j'ai décidé de t'appeler aujourd'hui. Et merci parce que tu m'as prise. Maman, j'arrête que tes pieds. Pardon. Laisse la maman là. Laisse maman, pardon. Les gens l'encouragent de l'autre côté. Elle a osé parler de ma mère sur TikTok. Oser insulter ma mère, dire comment ma mère a les pieds pourris, se monter, se descendu. Moi, je ne peux pas accepter qu'on touche ma mère, non. Non, Madoka, quand tu dis ça, ce n'est pas... Je t'ai dit qu'elle a insulté, mais elle est même revenue encore faire le direct, insulter ma mère. Tu as vu, maman, tu as vu, tu confies. Mais c'est sur sa... Mais je ne suis pas en train de mentir, Madoka. Je voulais que tu fasses ce que tu as parlé. Quand elle parlait tout sur toi, c'était la vérité. Je veux que tu dises ce que tu es. Par respect, je veux pas. Je n'ai pas envie de commencer à dire que Madoka s'est monté, s'est descendu. Je laisse, tu dis ce que tu as dit. Je t'écoute. C'est ça que je dis que, pardon, voilà. Je suis ici pour plaider que maman. Laisse les voix de la maman. Fais tout ce que tu veux faire avec Kedja. Non, parce qu'il faut que les gens comprennent. Ça, la maman là, si ce que je connais dans mon ventre, elle a versé ça. Madoka, cette maman m'a laissé plus de 30 voix. Tu vois, parce qu'elle bavarde beaucoup et je ne suis pas la seule. Tu comprends? Et elle bavarde énormément. C'est une maman qui parle trop. Et il faut que les gens comprennent. Parce que la petite là, elle fait comme si elle a les secrets sur les gens. Madoka, je te dis aujourd'hui et je te jure sur tout ce qui m'est cher. Je n'ai jamais un jour dit à cette fille que... Va insulter tel. J'ai envie de mettre les preuves même. Même la maison, même le cercueil de ta mère, tout ça, c'est elle qui m'a envoyé. Parce que je ne l'ai pas. Je veux qu'on voie, parce qu'on a nos échanges. Je veux que tu ailles te connecter. Parce qu'il ne faut pas qu'elle invente les choses. Elle invente. Si les gens veulent l'aider, moi, je suis pour qu'on l'aide. Parce qu'il y a beaucoup de blogueuses que j'ai poussées pour qu'on les aide. Elle, aujourd'hui, elle est dehors. Quelqu'un dit qu'elle va te porter plainte. Elle fait le ouais. Live pour qu'on insulte ta maman. Quel juge va accepter ça? Elle fait le live pour qu'on insulte ma maman. Moi, je n'insulte pas sa mère. Je mets ce que sa mère a dit. C'est deux choses différentes, Madoka. On ne peut pas insulter sa mère. Mais je fais écouter ce qui sort de la bouche de sa mère. Sa mère m'a dit que Nicole la tapait. Madoka, si un truc dit que c'est faux, tu dis que ce n'est pas vrai. Tu as compris? Elle m'a dit. Ça, c'est moi, je n'en reviens. C'est ce qu'elle elle m'a dit que boum, que n'a qu'on tchap, au loc d'Italie. Se battait avec elle. Chez les Bamileke, ça se fait où? Ça ne se fait pas, non? Elle a porté ma... Mon problème, c'est qu'il faut qu'elle prenne conscience, qu'elle se déplace, mais elle dit qu'elle a les papiers, qu'elle aille au pays voir sa mère, elle se met à genoux, elle tient les pieds de sa mère. Sa mère va lui donner la bénédiction. Je suis sûr que sa vie va changer. Parce qu'elle commence seulement. Elle est seulement en train de commencer. Madoka, vraiment, laisse comme ça, je mets d'abord, toi-même, tu vas juger. Tu comprends, non? Merci, maman. Tu vas, les gens qui t'encouragent là, les gens qui t'encouragent sur Facebook là, hein, tu ne vas pas, je ne sais pas si tu vas arriver. Jusqu'à présent, je suis encore en train de te dire que je donne l'occasion. Et ta, dis là, Yembo, hein. Weki, attends, sauf fort. Mais ha au parleur. Il a poro, mais ha au parleur. Mais ha au parleur. J'ai à quel âge un conseiller que le gros cul, dernier gros cul de sa mère, en fait. Il n'y a pas que on doit laisser les parents à la guerre comme à la terre. Cette fille a toujours fort à TikTok. Toi, j'ai à TikTok. Après, tu envoies des posts, on a joué à TikTok. Oh, ça ne choque pas. Elle va m'insulter sur TikTok. Elle a insulté ma Anna sur TikTok. Je pense que Dorcas là n'a pas vu. Parce que TikTok, quand tu fais, on est pas. Elle te joue à TikTok. Même Bonye. T'avais les Longa. Même Bonye Yom. Après, tu m'envoies les voix. Ouais. Même Bonye Yom. T'avais les Longa. Même Bonye. Même Homme. Bon. Même Bonye, mais elle est fort. Elle noir comme la peau du cul. Compris. Hein? Avec les couloirs
qu'elle a mis partout. Les clous, ma, clous lesbienne. Maman, pas les conseils. Qui a conseillé maman, on conseille. Elle a dit qu'elle est grande, non? Qui n'a pas des conseils? Hey. Elle a touché ma Anna. Maman. Un courage n'est pas criminel. Athée. Un courage n'est pas criminel, ma. Ouhou. Fort. Tu parles, mais fort, quoi. Mais de fort, il faut qu'elle sache, elle est arrivée, qu'elle est arrivée, elle va se comporter. Les vieilles choses sont là. Je mets fort. Mais de haute, quoi. Mais de haute. Le soir, c'est TikTok. Oui. Hein? Coco, mais de fort le soir, mais c'est de fort. Une vieille femme, elle a fait les enfants là-bas. Elle a fait son bâtard avec un gassa, avec un bouzou. Mais hein? Même c'est bien, ouais, toi, mais en voyant. Mboum que na oloke. Mboum que na oloke concha Salim. D'Italie. Tu arrives en Europe, on t'accueille. Ça te prend par où? Que tu mets. Non, je ne veux pas prendre les appels. Ça te prend par où jusqu'à ce que tu ouvres la livre pour qu'on insulte ma mère? Tout ce que j'ai. Mon Dieu sur terre. Ça te prend par où? Même si je suis dans n'importe quel gros contrat de la terre. Ça ne chauffe pas. Toi et moi, on va courir. Tu as compris avec quoi? Toi et moi, on va courir. Moi, ce que je veux, c'est que avant que tu ne commences les clashs avec moi, que tu commences à travailler comme tu travailles là, il faut qu'on te trouve un logement. Et une fois qu'on va te trouver un logement, tu peux être à l'aise et tu vas parler comme tu veux, n'importe comment. Ta mère a laissé, je vais mettre les voix que ta mère a laissées avant-hier matin. Samedi, je partais à une soirée, j'étais dans le noir. J'ai dit que j'ai vu une vidéo de cette fille qui était en train de me donner un ultimatum. Alors j'ai parlé dans le noir, parce que j'étais chez la maquilleuse. Donc du coup, j'ai parlé dans le noir que si je veux mettre ça moi-même, je mets et tout et tout. Et quand j'ai parlé dans le noir comme ça, sa mère a donc envoyé les voices. Les voices qu'elle a envoyées, elle a envoyé à ma collègue. Donc elle a envoyé à ma collègue en lui disant qu'elle m'a aussi envoyé ses voices. Oh, je l'ai bloqué depuis le 3 août 2023. Donc elle a envoyé à ma collègue et ça s'est baladé, c'est venu me trouver. Et dans les voices, avant que je ne mette ses voices, je vais vous mettre les voices, ce qu'elle est en train de dire dans les voices, avant que je ne vienne jouer ses voices. Et je n'ai aucun regret. Donc, je vais vous jouer les voices qu'elle avait, elle a mis, ce qu'elle a parlé. Je ne suis pas une menteuse, moi, je ne mens jamais. Et je lui ai mis au défi que, ok, je vais donc commencer tes voices. Donc, c'était dimanche matin. J'ai parlé samedi soir dans le noir. Dimanche matin, elle a donc laissé les voices en disant comment, oh, si je veux publier, c'est bon que je publie. Je vous laisse parce que cette maman, je vous laisse écouter les voices. Je vous laisse écouter les voices qu'elle a laissées avant que je ne prenne la télécommande que je poste sur Facebook. Écoutez vous-même. Tu as envoyé le voice aujourd'hui. Si tu as quelqu'un, tu lui dis qu'elle regarde son téléphone, elle voit le voice que je lui ai envoyé. Elle m'a jamais donné 5 francs. Elle avait dit qu'elle a les problèmes. Quand j'avais dit qu'elle conseille Nicole, comme toi, il te dit que tu conseilles Nicole. Si c'est que les voix qu'elle dit qu'elle va. Elle dit que toi, elle parle comme ça de ma collègue. Écoutez, les voix que je suis en train de dire là, j'ai fait le direct. Je pense que c'était lundi soir. Alors, les voix que vous entendez là, c'était dimanche qu'elle a laissé à ma collègue. Oui, ma. Ma mère chou. Oui, ma mère. Oui, ma mère. Oui. Mm-hmm. Ça ne donne pas. Là, je vais t'appeler après, tu vois, non? Je t'appelle après, tu regardes tout, après je t'appelle. Parce que la connexion ne passe pas bien. Donc, les voices qu'elle veut vous mettre là, ce sont les voices que la maman là a fait envoyer à ma collègue, qui est aujourd'hui mon ex-copine, pour lui faire savoir que ce que je suis en train de t'envoyer, j'ai aussi envoyé à Fleur de Lis. Oh, je l'avais bloqué depuis, elle ne m'a rien envoyé. Donc, je vous fais écouter d'abord tous les voices.
qu'elle est, les voices qu'elle a laissé dimanche, qu'elle a envoyé, c'est venu me trouver lundi. J'ai alors dit que je vais donc à go play et à donc play et nos regrets fondés. Écoutez bien, je mets tout le volume. Ouais, monsieur, là, vous croyez que blague. Moi, c'est. Pourquoi je lui ai envoyé le voice aujourd'hui? Moi, c'est sans pitié. Tu lui dis qu'elle regarde sur son téléphone, elle voit le voice que je lui ai envoyé. Elle ne m'a jamais donné 5 francs. Elle avait dit qu'elle a les problèmes. Quand j'avais dit qu'elle conseille Nicole, comme toi, il était. Ouais, pourquoi vous appelez comme ça, non? Oh. Conseille Nicole, c'est ce que. Les voice qu'elle dit qu'elle va monter, elle dit qu'elle va balancer. Qu'elle balance. C'est ça qu'elle a entendu parler, que les voice qu'elle dit qu'elle va balancer, là, qu'elle balance. Je n'avais encore rien. Je n'avais rien balancé. J'avais ce que parler dans le noir. Et j'étais en train d'avertir que oui. Tu dis que j'ai envoyé les voices à Lolo. Si je vais jouer, je vais jouer. Je vais envoyer par quelqu'un. Pourquoi? Et sa mère, elle est sur Facebook avec les faux profils, tout ça là. Donc, elle a ses faux profils sur Facebook. Elle est là-bas. Et donc, c'est ce qu'elle a envoyé, les voices qu'elle a commencé à envoyer. Il faut même qu'elle commence. Attendez. Tu m'avais dit que tu as beaucoup. Tu as tout à faire. Tu n'as pas l'argent. La lune que tu as mis chez toi, tu penses que tu l'aimes trop? Tu viens. La lune n'habite pas chez moi. La lune habite chez elle. Et même si un jour, ça arrivait qu'elle habite chez moi, ça fait quoi? C'est votre maison. Elle n'habite jamais chez moi. Donc ça, ce sont les voices que la maman l'a laissé. Oh, la lionne habite chez toi. Donc... Bonjour, Marco. Je te respecte beaucoup. Je dis bonjour. Où est-ce que tu payes sur le truc-là? Je suis pauvre. Tu as ta mère à côté de toi. Tu oses venir mentir sur Facebook. J'ai lu ton live. Tu mens sur Facebook que tu m'as donné 100 000. Tu m'as donné 100 000 où? Je t'avais envoyé les voices. Je t'ai dit comme quoi tu parles à ma fille. Tu ne m'as jamais donné l'argent. Tu m'avais dit que tu as beaucoup, tu as tout à payer, tu n'as pas l'argent. La lune que tu as mis chez toi, tu penses que tu l'aimes trop. Tu lui aimes que ma fille a la vertu populaire. Après tout, c'est mon enfant que j'ai accouché. Si je t'ai envoyé les bosses, c'est parce que je voulais que tu conseilles ma fille. Mais tu la mets à la vertu populaire. Que ta fille est passée. Déposez-moi, tu ne m'as jamais donné l'argent. Même 100 francs. C'est ma pépé qui m'a donné 50 000 pour le matelas. Ma mère, vraiment, ça fait pitié. Hein? Comment est-ce que ta fille a même 7 ans? C'est une autre personne qui donne le matelas de 5. Elle te donne 50 000 pour acheter le matelas. Moi, mes ouvriers, je les donne 50 000 pour acheter le matelas qu'ils vont mettre au sol, sur le sol pour dormir. Parce que dans mon chantier, c'est-à-dire que c'est le montant que je donne, que acheter le matelas aux ouvriers, la langue du chat. Parce que le vrai matelas, ce n'est pas 50 000. C'est la langue du chat qu'on met au chantier, qu'après le matin, on enroule ça comme les magidas qui font la prière. Donc, c'est la langue du chat qui coûte 50 000. C'est le montant que je donne. Quand quelqu'un gagne un chantier chez moi, c'est le montant que je donne pour payer le matelas du chantier. 50 000. Pour payer le matelas. Je ne dis pas que c'est petit. Je te respecte beaucoup. Je dis bonjour. Où est-ce que tu payes sur le truc là? Je suis pauvre. Tu as ta mère à côté de toi. Tu oses venir mentir sur Facebook. J'ai lu ton live. Tu mens sur Facebook que tu m'as donné 100 000. Tu m'as donné 100 000 où? Je t'avais envoyé les bosses. Je t'ai dit comme quoi tu parles à ma fille. Tu ne m'as jamais donné l'argent. Tu m'avais dit que tu as beaucoup, tu as tout à faire, tu n'as pas l'argent. J'ai mes responsabilités. Tu as mis chez toi. Tu penses que tu l'aimes trop. Tu lui aimes que ma fille a la vertu populaire. Après tout, c'est mon enfant que j'ai accouché. Si je t'ai envoyé les bosses, c'est parce que je voulais que tu conseilles ma fille. Mais tu la mets à la vertu populaire. Pardon, mamie, déposez-moi. Tu ne m'as jamais donné l'argent. Même 100 francs. C'est ma pépé qui m'a donné 50 000 pour le matelas. Et 100 000 l'autre jour. Tu ne m'as jamais donné l'argent. Ma fille, tu vas beaucoup souffrir. Si je t'ai parlé ça, parce que le coup d'argent que tu dis que tu m'as donné là. Tous les trucs que vous insultez ma fille avec, je ne dis rien. Insultez là comme vous voulez, c'est elle qui a voulu. Je vais refuser qu'elle ait un entreprise. Voilà, un petit peu. Mais le premier argent là m'a trop choqué. Je vais envoyer ça à ma pépé. Ça m'a trop choqué. Le voice que tu dis là, envoie, même qu'on lit, il n'y a pas de souci. Tu es déjà arrivé, mais tu n'es pas mourir avec l'argent là. Tu as l'argent. Maman, les fausses hôpitaux sont morts, laissez l'argent. Ne crois pas que tu es déjà arrivé. Avec ta chirurgie que tu fais là, une femme qui est belle, ne fais pas la chirurgie. Pardon, dépose-moi. Même Lolo, tu ne connais pas Lolo. J'arrête un peu. La chirurgie que vous voyez là, ce n'est pas pour ceux qui n'ont rien. C'est pour ceux que ce n'est pas gratuit. Ce sont les économies. Regardez une maman qui a payé et qui dort sur la langue du chat. Elle m'insulte que la chirurgie que tu as fait là. Oh, si tu fais la chirurgie, que tu n'es pas belle. Quelqu'un qui est belle le fait. Voilà les messages que cette maman m'a laissé. Et je suis venue poster les voices. Et je ne discute avec personne. Et j'assume. Oui. J'ai mis et j'assume. Je ne me cache pas. Regardez ça, c'est dimanche.
Le 17 de Facebook, c'est ton ami. La mère, crée ta page. Crée ta page. Tu viens avec les révélations. Je te donne le secret, ma mère. Crée ta page. Crée ta page. Tu viens. Tu commences à faire même les révélations sur l'enfance de ton enfant. Les gens s'abonnent. Après, tu as les dos. Mais oui, il y a quoi? Ça là que tu as télé, c'est tu es déjà clasheuse, hein? Oh!